Bonjour, on est le 7e jour. Donc ce matin, on a eu une réunion avec tous les athlètes. Cet après-midi, on est parti faire une petite balade. Et là, on va partir manger avec le président. Et demain, il y a la finale de Jade. Banana, une brochette de porc qui est coulée. C'est quoi? Toi, si tu peux crier avec eux. Banana, est-ce que banana, la brochette, porc est coulée? Oui. Ouais, la brochette. Oui. Mais le porc est coulé. Oui. Banana, mais les bananes, c'est comme banana. Elle va ramener la médaille d'or. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Je pense que tu as fait un bon entraînement avant de venir. Je pense que tu n'es pas là pour rien et on compte sur toi pour gagner. Moi, Jade, c'est maintenant. Tu donnes tout. C'est la dernière ligne droite. Tu ramènes la médaille d'or. Toute l'équipe, on compte sur toi. On est avec toi, Jade. Va chercher la médaille d'or. On est là pour toi. Bonjour, Fred Dejean, entraîneur des équipes de France. C'est le jour J, le jour des finales. On a une fille en moins de 51, Jade, qui fait sa finale dans 4 combats. Va rencontrer une américaine qui est beaucoup plus grande qu'elle, qui a une très bonne jambe, arrière. Elle va devoir vraiment rentrer dedans, travailler sur une distance courte et ne jamais rester en face pour pas qu'elle déclenche cette jambe qui pourrait la toucher. Donc vraiment une stratégie très courte et avec du déplacement, jamais rester fixé devant elle. Et voilà, et si tout se passe bien, la médaille est pour nous.
finale contre une américaine. Donc j'ai perdu malheureusement. Je tenais à remercier les coachs de l'équipe de France qui ont été géniales avec moi, qui m'ont soutenue. Également tous les membres de l'équipe de France qui ont été à mes côtés. Mes parents, toute ma famille, mes coachs et Daniel. Voilà, merci. Et pour terminer, je souhaiterais remercier la fédération qui m'ont permis de venir ici. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. We are pleased to welcome you to the medal ceremony Elias Pelote Bombardier representing France. We are welcoming you to Bonsoir à tous, Nadir Alouache, président de la Fédération française de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Voilà, on arrive à la fin de cette belle aventure pour les championnats du monde junior. On a eu deux belles médailles, une en argent, une en bronze. La compétition s'est très bien déroulée. Je remercie les responsables de l'IFMA. L'organisation a été au top. Le groupe aussi, les coachs, le caméraman Daniel bien sûr. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont aidé notre fédération à arriver à ce stade-là. Autre chose qui est importante, c'est que l'IFMA aujourd'hui, elle fait plus confiance qu'avant à notre fédération. D'ailleurs, ils m'ont proposé d'être membre du comité directeur sur la prochaine réunion. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. La deuxième bonne nouvelle, c'est que aussi
nos Nakmoués, ils ont montré que le niveau français commence à redevenir. On est en train de redorer le blason Muay Thai français. Autre chose qui est bien aussi, c'est que nos enfants, ils ont un comportement exemplaire. J'ai monsieur Dr Chamchai qui est venu me voir. Il m'a dit, votre équipe de France, elle a une discipline de rigueur. On est fiers de voir les gens qui respectent, surtout quand ils sortent dans un nouveau. Autre chose qui ici, j'ai trouvé que c'était magnifique, c'était cette aventure pour ces enfants-là. Il y a même les parents qui les ont rejoints. Ça, franchement, c'est quelque chose de bien. Et j'invite les parents la prochaine fois, si vous voulez venir accompagner leurs enfants, ils seront invités avec un grand plaisir. Là, on arrive à la fin de la cérémonie. C'est une cérémonie de classe, de prestige. La chose qui m'a encore plus frappé et marqué, c'est que cette cérémonie a été présentée par les enfants. Et ça, c'est beau. C'est les enfants qu'ils ont présentés. Et là, c'est la fête. Vive le Muay Thai, vive le FKMDA et vive la France. Merci à vous.